Si vous voulez entreprendre en Afrique, c'est très bien parce que la marge est énorme. Et je vais te dire un truc, c'est que si tu crées une entreprise et que tu n'as pas de volonté, de puissance, de dominer, ton entreprise disparaît demain. Lorsqu'on est en business, le premier rôle, c'est vendre. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Très important à noter. Donc, 7 milliards d'euros, c'est-à-dire pour que vous... On parle juste de Orange, et ça, c'est ce qui est déclaré. Ensuite, un autre chiffre, de 2021 à 2022, ils ont eu une progression fulgurante en termes de bénéfices. Ils ont généré plus de 2,2 milliards d'euros de bénéfices. Là, je parle d'Orange. 2,2 milliards d'euros de bénéfices. Je ne parle pas du chiffre d'affaires. Parce qu'en termes de chiffre d'affaires, ils ont généré plus de 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Orange. Donc, le bénéfice supplémentaire par rapport aux années précédentes, c'était 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, de bénéfices. Et dans ce bénéfice-là, dans cette croissance du bénéfice-là, tenez-vous tranquille, parce que 6,4% de ce bénéfice, de cette croissance du bénéfice entre 2021 et 2022 venait de l'Afrique et du Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous commencez à voir un peu. Ce sont les chiffres. Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas l'ami de Valère. Ce sont les chiffres qui sont disponibles sur Internet. Je vous les présente pour vous montrer que si vous voulez entreprendre en Afrique, c'est très bien. Parce que la marge est énorme. Elle est énorme. Sinon, Orange ne se battrait pas autant. Sinon, les Russes ne se battraient pas autant avec les Américains et les Français pour pouvoir s'implémenter en Afrique. Parce qu'ils savent ce qu'il y a là-bas. Maintenant, c'est à chacun. La nature aura du vide. Si les Africains disaient qu'ils veulent venir en Suisse et devenir des docteurs en géographie, des docteurs en lettres modernes, avec les thèses sur la virgule, je soutiens une thèse de l'importance de la virgule. Il y a des docteurs qui soutiennent des thèses dessus. L'importance de la virgule, je vous le promets, il y a des thèses là-dessus. Tapez sur Internet. Ça, c'est les engages. Et maintenant, si vous voulez avoir un vrai impact dans la vie des gens, il faut s'intéresser au sujet comme ça. Ça, c'est Orange. Je vais vous présenter un troisième chiffre. Et là, c'est là que j'ai dit vraiment, le Cameroun, c'est un pays magnifique. Alors, qui connaît cette entreprise, les brasseries? Ok, voilà. Les brasseries, en fait, ce sont les entreprises qui fabriquent de la bière. Voilà. Et donc, au Cameroun, ils ont réalisé des exploits. Je parle du Cameroun parce que je connais. Mais avant de parler du Cameroun, je vais vous présenter le cas de la France. Alors, en France, cette entreprise-là a généré en 2022 un peu plus de 680 millions d'euros. Les chiffres d'affaires en France, sachant qu'en France, c'est un peu plus de 60 millions d'habitants. Donc, en moyenne, ça fait que chaque Français par an consomme en termes d'alcool un peu plus de 11 euros par an. Une moyenne. Ça, c'est en France. Mais quand on va du côté du Cameroun, parce que d'aucuns disent que le Cameroun, c'est un pays, mais nous, on dit que le Cameroun, c'est un continent. Parce que ce qui s'y passe, c'est juste incroyable. Tenez-vous tranquille. Parce que voici ce que les chiffres disent, c'est que cette même année-là, au Cameroun, on a bu en termes d'alcool 538 millions d'euros d'alcool dans un pays dit sous-développé. Ça fait que chaque Camerounais consomme en moyenne 19 euros d'alcool par an. En moyenne, c'est lycée parce qu'il y en a qui boivent, il y en a qui ne boivent pas. Donc, ils consomment plus que la France. Et très souvent, la question qui revient, c'est est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Il y a combien de personnes? 27 millions, à peu près. Vous voyez que même la bière donne l'argent. Donc, si vous voulez aussi lancer une entreprise... Il n'est pas question ici de critiquer les brasseries du Cameroun. Non, c'est une entreprise. Et elle doit croître. Si vous avez soif, elle va vous donner à boire. Donc, si vous sentez que vous pouvez investir dans ce secteur d'activité et que ça correspond à vos valeurs, allez-y, les gars vont boire. Mais maintenant, si vous estimez que les Camerounais, ou bien que je parle du Cameroun, ça peut être le cas de l'Éthiopie, ça peut être le cas du Rwanda, peu importe. Si vous sentez que vous êtes contre le fait que non, les Rwandais doivent boire de moins en moins, ils doivent boire de l'eau, lancez une entreprise qui fait dans le secteur de l'eau. Et vous vous bagarrez aussi pour qu'on remplace la bière par de l'eau. Parce que les entreprises
fabriquent de la bière, ils ne vont pas vous ouvrir, dérouler le tapis rouge. Non, vous allez à la guerre. Donc, c'est de ça. Voilà les chiffres. Donc, il n'y a pas de queue, on critique. Est-ce que c'est bien? On s'en fout. Les brasseries, c'est une entreprise. Rien ne dit que l'entreprise de fabrication d'eau que vous allez créer est forcément meilleure. Parce que les gens veulent boire. Est-ce que vous pensez toujours qu'il n'y a pas d'argent en Afrique? C'est Victorio. Est-ce que tu penses toujours qu'il n'y a pas d'argent en Afrique? Quoi? Tu penses toujours qu'il n'y a pas d'argent en Afrique? Oui, je pense encore qu'il n'y a pas d'argent en Afrique. Ok, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'à niveau relatif, à niveau absolu, d'accord, il y a de l'argent. Mais mm-hmm. À niveau relatif, je pense que... Il faut prendre l'argent des autres continents et le porter en Afrique. Merci, c'est très très bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour Victorio, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut? Parce que lui, il a vraiment mis en lumière quelque chose qui est très très important. Beaucoup de gens le pensent, mais très peu osent l'accepter ou le dire. Beaucoup de gens pensent qu'on doit prendre l'argent ailleurs parce qu'il n'y a pas d'argent en Afrique. Et on doit aller mettre, on doit mettre ça en Afrique pour développer tout le bazar. Je vais te montrer une photo tout à l'heure. C'est là où je voulais arriver. Ici, je suis invité au Gabon pour une conférence sur l'intelligence financière et tout le bazar. Et là, je suis dans un marché. C'est un marché au Gabon à Libreville. Moi, je suis allé dans ce marché-là, pourquoi? Moi, j'y suis allé parce que je voulais prendre des souvenirs. Tout simplement, il me dit, bon, je vais au marché, je suis au Gabon, je vais prendre quelques souvenirs, quoi. Je vais rentrer avec en France et tout, donner à ma copine, donner à ma mère, donner à mon frère et tout le bazar. Mal m'en a pris lorsque, quand je suis arrivé dans ce marché-là, et bien, je me suis rendu compte que tout ce qu'il y avait dans le marché, je retrouvais ça sur AliExpress. Parce que tous ces commerçants-là allaient acheter en Chine, ou à Dubaï, ou en Turquie. Donc moi, je n'ai pas trouvé l'intérêt d'acheter quelque chose que je ne pouvais pas acheter directement sur Internet. Je ne vois pas l'intérêt de l'acheter dans un marché gabonais. Là où ce que je veux faire voir, c'est quoi? C'est que quand il y a des gens qui vont en Chine, lorsque les Africains, les hommes d'affaires africains vont en Chine pour acheter des produits ou des produits, pour les vendre dans ces marchés-ci, ils achètent ces produits-là au même prix que les entrepreneurs français. Est-ce qu'on est d'accord? Quand ils vont, si on dit que ce carnet en Chine, c'est 2 francs suisses, on s'en fout que tu viennes du Cameroun, du Tchad, que tu es dans ton pays, on meurt de faim, on n'en a rien à cirer. C'est 2 francs suisses, tu payes à 2 francs suisses. Point barre. Donc, si ce marché est plein de produits qui ont été achetés par des entrepreneurs, que ce soit africains ou pas, au même prix que l'entrepreneur français achète, l'entrepreneur suisse achète en Chine, ça veut dire que de l'argent, il y en a. Mais maintenant, c'est à chacun de se débrouiller pour que le trop d'argent là vienne dans sa poche aussi en tant qu'entrepreneur. Parce que l'argent, il y en a trop. Il n'y a pas de pénurie d'argent. Il n'y a jamais eu de pénurie d'argent dans le monde. D'ailleurs, les chiffres montrent que les gens deviennent de plus en plus riches. Mais les pauvres s'appauvrissent davantage parce que le cerveau est constipé. Donc, de l'argent en Afrique, il y en a plein. Maintenant, si tu continues de penser qu'il n'y a pas assez d'argent en Afrique, ça, c'est une opinion. Mais maintenant, il faut aller interroger les chiffres. On ne va pas se baser sur une opinion pour argumenter. Parce que l'opinion est très subjective, c'est personnel. Pour être objectif, il faut aller analyser les chiffres. Que disent les chiffres? Très important. Et comme je l'ai dit, moi, il ne donne pas mon avis. Ce sont des chiffres, c'est objectif. Celui qui veut donner un contre-argument, il faut aussi donner les chiffres et on compare. Ok. Maintenant, quand on a dit tout ça, on sait qu'il y a beaucoup d'argent en Afrique à se faire. Tout ça, c'est bien beau. Mais pourquoi est-ce que, moi, je suis en Suisse, pourquoi est-ce que je vais me dire que je vais aller entreprendre en Afrique? Pourquoi? Oui. Oui. S'il n'y a pas justement cette obsession-là de l'argent, est-ce que nous, je ne devrais pas, au-delà de la création de richesses, essayer de créer une richesse utile à la population qui puisse améliorer les conditions de vie? Parce qu'autrement, qu'est-ce qui nous différencie de ces grandes multinationales dont tu parlais tout à l'heure, Orange, qui sont là? J'adore ton approche parce que c'est une approche tellement bienveillante. J'adore ça. Et je vais te dire un truc. C'est que si tu crées une entreprise et que tu n'as pas de volonté
de puissance de dominer. Ton entreprise disparaît demain. Parce que les autres viennent pour dominer. Ils viennent pour prendre des parts de marché. Donc si tu viens, tu dis que non, je veux être, franchement, moi je ne veux pas trop déranger, je ne veux pas si. Ne fais pas l'entrepreneuriat. Fais ton CV, j'ai l'honneur, tu déposes, on t'embauche, tu bosses pour celui qui veut dominer. Le monde est divisé en deux. Ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Ça, chacun de choisir son positionnement. Maintenant, si toi tu veux un entrepreneuriat bienveillant, qui ne détruit pas, c'est très bien. Mais une chose est certaine, c'est que si tu veux répandre ta vision, si tu veux avoir un vrai impact, si tu veux pouvoir jouer du lobbying et corrompre, parce qu'en entrepreneuriat, tout le monde corrompt, c'est un fait. Mon cher ami, ce dont tu auras besoin, c'est d'une monnaie d'échange. Ce sera peut-être de l'argent. Très souvent, c'est de l'argent. Ou alors autre chose. Mais si tu vas et tu dis que non, tu ne veux pas déranger, sois sûr d'une chose, celui qui a l'argent, qui sait comment ça fonctionne, lui, il va t'éteindre et il va continuer. En soi, vouloir créer de l'argent, gagner beaucoup d'argent lorsqu'on se lance en business, ce n'est pas mauvais. Parce que l'argent, c'est un moyen qui te permet d'atteindre un objectif que tu t'es fixé. Aussi simple que ça. Donc, tout dépend de l'usage que tu vas en faire. C'est pas ce que je veux dire. Donc, si tu estimes que Google se comporte mal, deviens puissant pour mieux faire que Google. C'est aussi simple que ça. Google fait mal, deviens puissant et tu fais mieux que Google. Et tu traites mieux les gens. Tu crées une entreprise où tu vas recruter 1 million de personnes qui seront bien traitées. Mais une chose est certaine, c'est que si un mois, tu dis que non, moi je veux bien vous traiter, je veux un entreprise, le mois où ils ne vont pas recevoir leur salaire, tu vas comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Parce que ces mêmes gens, tu te dis que moi, ils me battent pour vous. Ils vont te dire, mon cher ami, non, t'as envoyé nulle part. Je travaille, je veux mon salaire. Tes affaires que tu dis que tu veux sauver, ça, moi, ils m'en foutent ça. Moi, j'ai les factures à payer. Je te comprends. Tu dis ça peut-être parce que tu n'as pas encore les gens que tu payes. Vu que tu vas créer un business où tu dois payer les gens, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, je te rejoins tout à fait. Donc, quelles sont les raisons qui peuvent vous pousser à entreprendre en Afrique? Enlever la honte. Là, je vais m'adresser particulièrement aux Africains. Ce monsieur s'appelle Nana Akufo-Addo. C'est le président ghanéen. Et il a dit quelque chose de très fort. C'est que lorsqu'on est Africain, lorsqu'on est noir, peu importe les milliards qu'on gagne, peu importe la région du monde où on se trouve, on portera toujours la honte de l'Afrique. Tant que l'Afrique sera comme cela. Je vais vous dire un truc tout simple, sans blesser personne. Lorsqu'on voit un blanc, tout de suite dans notre tête, ça sonne quoi? Honnêteté, rigueur, professionnalisme, sympathie, bref, tout ce qui va de bien. Mais lorsqu'on me dit un noir, d'abord même le savoir, c'est que tu feras dire. Lui là, attention. C'est la perception que beaucoup de gens ont. C'est une réalité. On doit être OK avec ça. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que cette réalité la change? Lorsqu'on parlait des Chinois avant, on disait les jaunes. Moi, je dis, lorsqu'on voit un Chinois, on voit la puissance de la Chine. Des fois, tu vois juste un Asiatique, mais tu vois la puissance. Donc, il y a une raison pour laquelle les Africains, plus que les autres, doivent entreprendre en Afrique, c'est pour enlever cette honte-là qu'on porte. Vous voyez Samuel Eto'o. Si Samuel Eto'o, s'il se rend dans un endroit où personne ne le connaît, il ne sait que c'est Samuel Eto'o, on va d'abord lui jeter des bananes. On va dire, qu'est-ce qu'il fout là? Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est Samuel Eto'o. Mais si Victorio, c'est ça? Si Victorio se rend au Cameroun, on va d'abord dérouler tout le tapis rouge. Et monsieur Victorio, allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Toi qui passes là-bas, dis non, 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 attends, attends, attends. Ton propre frère noir, il va dire attends. Victorio doit passer. Pourquoi? Ses ancêtres ont travaillé. Ses ancêtres ont travaillé. Donc, quand on dit entreprendre en Afrique, c'est que c'est une obligation. Ce n'est pas qu'on croit que non. Et même pour aller plus loin que ça. Vous savez qu'en général, lorsque nous, on vient en Europe, l'objectif, c'est d'avoir un travail. En général, très peu sont les Africains qui viennent pour conquérir. Nous, on vient parce qu'on veut avoir le diplôme et avoir un petit poste où on a un petit confort.
On a une petite voiture. Après, de temps à autre, on peut se payer un voyage. On gagne 5000 euros par mois. On croit que c'est beaucoup d'argent. Encore qu'en Suisse, 5000 euros, ce n'est pas beaucoup d'argent. On gagne peut-être allez, 10 000 euros en Suisse. Ou 15 000 euros même. On se dit, on nous dit qu'on est dans le top 2%. Et on croit que c'est beaucoup d'argent. 15 000 euros, ce n'est pas beaucoup d'argent. 15 000 euros ou 15 000 francs suisses, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ça, c'est le rêve qu'on nous a vendu à l'école. Lorsque tu touches 15 000 francs suisses, tu es dans le top 2%. Donc, tu peux en être fier. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Une autre raison, justement, pour entreprendre en Afrique, là, je pense qu'elle concerne un peu tout le monde, c'est l'héritage. Ça, je dis entreprendre en Afrique, mais c'est entreprendre de toute manière. Peu importe le job que tu fais dans ta vie, PDG, hors échelle, peu importe le job que tu fais, quand tu vas prendre ta retraite, tu ne pourras jamais laisser ton job comme héritage à ton enfant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Peu importe le boulot que tu fais, Herman est ingénieur en cybersécurité, il travaille dans une grosse boîte, il gagne un peu d'argent. Il va travailler pendant 10 ans, il va peut-être gagner même, je sais pas, 15 000 euros, 20 000 euros à la fin de sa carrière. Le jour qu'on signe que bon, tu es trop vieux maintenant, casse-toi. Ses enfants ne vont pas hériter de son poste. Il va prendre quelqu'un d'autre. Alors que lorsque tu vas lancer ton business, tu peux décider que bon, après ma mort, je vais laisser ça comme héritage à mon enfant. Donc quelque part, la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit développer son business, c'est pour dire qu'après ma mort, voici ce que je peux laisser à mes enfants. Et enfin, la troisième raison, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, ce n'est pas la première raison pour laquelle vous devez entreprendre, parce que l'argent, c'est le reflet de la valeur que vous apportez aux autres. Plus vous apportez de la valeur aux autres, plus vous gagnez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Plus vous apportez de la valeur aux autres, plus vous en gagnerez. Aujourd'hui, Amazon, c'est l'une des boîtes les plus rentables au monde. C'est parce que Amazon apporte suffisamment de valeur aux gens, à tel point que les gens sont prêts à continuer à consommer. Même si on fait des campagnes comme quoi Amazon exploite ses employés. Mais j'ai envie de dire, au moins, ils ont des employés. Ils ont des familles. Ils permettent à certaines familles de vivre. Et j'ai envie de dire que personne, moi, je parle beaucoup en milliards. Moi, je n'ai pas peur des chiffres. Moi, dans ma tête, je parle toujours en milliards. 500 milliards. C'est déjà dans ma tête. Il faut juste une question de temps pour que ça vienne dans mes mains. Et personne ne devient milliardaire sans faire des millionnaires. C'est impossible. Vous comprenez donc pourquoi l'argent, ça devient un moteur. Je vais prendre un cas tout simple. Prenons, c'est quoi la plus grosse boîte, une grosse boîte en Suisse, c'est quoi? Bon, prenons un McDonald's. McDonald's, c'est une grosse boîte. On est d'accord que McDonald's puisse continuer à croître, il faut qu'elle gère ses clients. Et pour gérer ses clients, sa base de données, ils auront besoin d'un CRM. Tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Alexis. Donc, si McDonald's veut continuer à croître et qu'ils ont besoin de gérer leur base de données, ils ont besoin d'un CRM qui sera peut-être conçu par Alexis. Et donc, plus McDonald's va croître, plus la boîte d'Alexis doit aussi croître. Et donc, vous voyez que quand McDonald's gagne des milliards, Alexis, au moins, il est sûr qu'il peut gagner des millions. Et maintenant, quand il gagne des millions, à côté de ça, il aura besoin des employés pour travailler pour lui. Et là, à ce moment-là, il peut dire, OK, Naomi, viens travailler pour moi. Ou bien Naomi, viens investir dans ma boîte. Vous voyez que donc, plus McDonald's s'enrichit, plus le CRM d'Alexis s'enrichit, plus Naomi qui a investi dans la boîte d'Alexis gagne de l'argent. Vous voyez, quand on voit les choses comme ça, on cesse de percevoir l'argent comme étant un poison. Parce que l'argent peut être un moteur. Et j'aime à dire que vouloir gagner beaucoup d'argent, en soi, vouloir gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas forcément l'argent. Parce que les objectifs ne sont pas forcément faits pour être atteints. Les objectifs sont faits pour nous permettre de devenir une autre personne. C'est-à-dire la personne que vous devez devenir pour atteindre ces objectifs-là. Pour devenir milliardaire, vous devez devenir une autre personne. Tu dois développer ton leadership. Tu dois développer ton intelligence émotionnelle. Tu dois développer ta capacité à pouvoir échanger avec les autres. Tu dois devenir quelqu'un de plus courageux, de plus fort moralement. Tu vois donc que pour devenir milliardaire, tellement de compétences que tu dois développer, tellement d'aptitudes, de capacités que tu dois développer pour devenir milliardaire. Moi aujourd'hui, lorsque je m'exprime devant les gens,
On a l'impression que, ouais, j'ai fait ça toute ma vie. Non! C'est juste que j'ai compris que pour atteindre les objectifs en termes d'impact, en termes d'argent, en termes d'influence que je veux, il va falloir que je développe d'autres compétences. Donc en soi, ce n'est pas forcément l'objectif, ce n'est pas forcément l'argent. C'est la personne que vous devez devenir pour atteindre cet objectif-là. Il y en a d'autres, mais j'ai préféré ne prendre que ceux-là. Maintenant, lorsqu'on sait ça, on est motivé, on se dit, bon, ok, d'accord, là, ça y est, là, ça y est, va aller à parler, je suis à fond, là, maintenant, ça y est, il va aller chercher le premier milliard. Comment je t'appelle? Angéline. Angéline qui? Angélique. Angélique qui? Angélique. Oui, mais il y a le nom, c'est quoi? Comment? Le nom. Alongbissa. Alongbissa. Non, Longbissa. Alongbissa. Longbissa. Longbissa, c'est d'où, ça? Je viens d'Angola. Ah, mais je ne connaissais pas d'Angola, pour la première fois, ok. Amélie, c'est ça? Comment? Le prénom, c'était... Angélique, autant pour moi, c'est. Angélique a écouté Valès et dit, bon, le gars, là, il parle bien, il m'a boosté. Je dis, là, ça y est, là, je veux aller chercher mes premiers milliards, là, c'est bon, là. Là, ce soir, je casse tout. Bah! Sauf que lorsque tu vas te lancer, tu vas faire place à ce qu'on appelle des problèmes. Beaucoup de petits challenges. Des choses qui vont t'empêcher de dormir la nuit. Tu dis, mais qui m'a envoyé dans cette histoire? Et parmi ces problèmes que tu vas rencontrer, il y aura premièrement un problème de vision. Malheureusement, la grande majorité des gens, lorsqu'ils veulent lancer un business en Afrique aussi bien qu'ici, très souvent, ils ont une toute petite vision. On lance le business pour manger. Ok, je veux lancer mon business, bon. Si j'ai réussi à générer, je ne sais pas moi, 10 millions d'euros, et encore, quand je dis même millions, il y en a même que seuls dans leur chambre. Si leur cerveau tente d'aller à 10 millions, il va dire, oh, restons concentrés. 10 millions, comment mon cerveau peut me dire que je peux gagner 10 millions? Ce n'est pas possible. Le rêve est gratuit. Même comme le rêve est gratuit, il y en a quand même qui se permettent d'échouer au niveau du rêve. Donc vous permettez d'avoir un rêve médiocre alors que c'est gratuit. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Le rêve est gratuit. Mais il y en a qui échouent même à rêver. Si vous rêvez, peut-être que vous allez réaliser votre rêve. Peut-être pas. Mais une chose est certaine, c'est que si vous ne rêvez pas, il n'y aura aucun rêve à réaliser. Donc, la vision. Ayez une grande vision. Ne lancez pas des business juste parce que vous voulez manger. Lancer des business pour transformer tout un pays, tout un continent, tout le monde. Amazon a révolutionné le monde, Facebook a révolutionné le monde. Mais ce sont des gens qui avaient des grands rêves, ils avaient une grande vision. Et lorsque vous avez une grande vision, les actions que vous allez poser au quotidien seront différentes. Je vous prends un cas. Tout à l'heure, Herman parlait du week-end de l'écrivain qu'on a organisé pour la troisième fois du côté de Paris. Voici Charles de Gaulle, plus de 500 personnes présentes. Comment est-ce qu'on fait ça? La vision de départ, c'était quoi? C'était que... Non, c'est pas c'était. C'est que cet événement-là puisse tutoyer les événements tels que le Festival de Cannes. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Festival de Cannes? Voilà, en termes de festival pour célébrer les acteurs de cinéma, en ce moment, en tout cas en Europe, je pense que c'est l'un des meilleurs. Je me dis, ouais, il faut que notre événement puisse arriver à ce niveau-là, histoire de célébrer les auteurs de la plus belle des manières possibles. Et donc, comme j'ai cette vision-là, je me pose maintenant la question de savoir comment je fais, comment on fait. Et là, on s'est dit, ok, Cannes, c'est le prestige. Donc, on s'est dit, s'il faut qu'on choisisse un lieu, il faut que ce soit un lieu prestigieux. On prend l'hôtel Hilton. Est-ce qu'on a les moyens forcément pour le faire? Non. On s'est dit, ça c'est l'objectif. Maintenant, on va trouver les moyens. Est-ce qu'on a trouvé? Oui, ça fait 3 ans qu'on le fait. On a commencé avec 100 personnes. On est passé à 200. Et là, on est à plus de 300 personnes. Il y avait une vision au départ. On poursuit. L'aide. Là, je vais revenir sur Victorio. C'est qu'en général, lorsque les gens lancent les business en Afrique, ils se disent, je vais aller aider les Africains. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ont en esprit. Comme les Africains, ils n'ont pas beaucoup d'argent, il faut qu'on aille les aider un peu. Tout de suite, ce que moi, je vais vous dire, c'est que lorsqu'on lance un business, lorsqu'on entreprend, notez bien ça, parce que lorsque j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. On lance un business pour aider ceux qui ont les moyens de payer notre produit ou notre service. Je répète. On lance un business pour aider ceux qui ont les moyens
de payer notre produit ou notre service. Si quelqu'un n'a pas les moyens de payer votre produit ou votre service, mais vous ne pouvez pas l'aider. Sortez de la logique de je lance mon business, je vais aider les gens. Demain, tu fermes et tout le monde paie. Parce que demain, quand ta boîte ferme, toi-même d'abord, tu rentres au quartier. Les employés que tu avais pris dans ta boîte, eux aussi rentrent au quartier. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de familles qui vont souffrir. Alors que débat, tu voulais aider. On aide ceux qui sont capables de payer. Sortez de la logique, les Africains n'ont pas d'argent. Les Africains ont l'argent pour payer. Moi, je suis allé au Cameroun récemment. Je vois les gens qui distribuent les iPhones comme des petits pains. Je peux vous rassurer qu'ils achètent, ils payent ça au prix fort. Des fois, même, c'est beaucoup plus cher. Quand j'étais au Cameroun en 2019, je suis allé à Carrefour. Et à Carrefour, il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est que le Pringles, je vais parler de la France parce que je connais. En France, le Pringles coûte un peu plus de 1,50€. C'est un peu l'équivalent de... en France, Suisse, ça peut équivaloir à peu près à 1,30€ francs suisses à peu près. Si on convertit de l'euro au franc suisse. Et quand moi, je suis allé au Cameroun, j'ai vu un Pringles qui coûtait, tenez-vous tranquille, 3125 francs pour le même grammage. C'est à peu près l'équivalent de... Allez, 3125 francs, c'est l'équivalent d'à peu près 4 euros, soit 3 francs suisses à peu près, dans un pays qui est pauvre. Et, tenez-vous tranquille, c'était en rupture de stock. Qui a mangé les Pringles? Ce sont des chèvres. Ce ne sont pas des chèvres qui ont consommé les Pringles. Ce sont des Camerounais qui ont consommé ces Pringles. Et ce que je vous dis est valable au Gabon, c'est valable au Burkina Faso. Donc pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argent, sortez-vous ça de la tête. Moi récemment, lorsqu'on organise le week-end de l'écrivain du côté de Paris, il y a une dame qui a quitté la Côte d'Ivoire pour venir à l'hôtel Hilton de Paris. Elle a logé à l'hôtel Hilton et les chambres là-bas, ce n'est pas donné. Et elle a pris le pass VIP qui était à 250 euros. Elle est venue, elle a fait 3 jours à Paris. Elle était venue uniquement pour cet événement-là. C'est ce genre de personnes que nous, on veut aider. Et après, quand on va gagner beaucoup d'argent, on va dire, bon, maintenant, on va faire le social. Mais quand on fait le social, c'est pour défiscaliser. On ne paie pas le Nord. Quand on fait le social, quand on veut aider les, entre guillemets, les personnes qui n'ont pas grand-chose, c'est quand c'est qu'on va défiscaliser au niveau des impôts. Ce n'est pas moi qui le dis. Ensuite, le troisième problème, qui n'est pas des moindres, c'est le rôle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est en business, le premier rôle, c'est vendre. On s'en fout de concevoir le meilleur produit. On va l'améliorer. D'ailleurs, iPhone continue d'améliorer ses téléphones. Le premier rôle, c'est vendre.